Ah oui, je Ah, me disais, j'avais oui. oublié ça. Celle-là, ouais. Ça, Sinon, il y a parce la que t'as mis phrase un strike, c'est bon. tous les Allemands ne sont pas nazis, c'est pareil que les streamers, quoi. Oui, Les je connais cette streamers sont théorie. pas. Voilà. Oh, les salauds. Ouais, attention, J'avoue, comme ça, Clément. rigoler si tu te prépares bien, c'est un truc vraiment qui Tu te n'es pas tombe. seulement un lâche, mais aussi un traître comme ta petite taille, le laisse de prise. Faut que je le revoie, ouais, 717. Faut que je le revoie, bordel. Faut que je le revoie. Non, J'ai sinon beau tu bon. sors. Ouais, tous les streamers ne sont pas sarcastiques. Je connais cette théorie. Tu vois? Oui. Ah tiens, tous les Bah, Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui, je connais cette théorie. c'est peut-être pas qu'une théorie, Tous hein. les streamers ne sont pas des gros cons, je connais cette théorie. Tous Tous les ça, par streamers contre, ne je la sont connais. pas Oh. des pétains, ce n'est pas qu'une théorie. Oh là, je te jure. Tous les streamers ne sont pas des prêteurs. Ça, c'est drôle. Ah, les bâtards. Non, mais on peut pas dormir ici! C'est quoi ce vacarme à 5 h du matin? Il y en a qui essayent de dormir! Je le revoie, faut vraiment que je le revoie. Dans le 2, ça, putain. On va prendre 1 heure et demie pour le regarder avant de finir ton truc, à la Est-il limite. possible d'avoir le temps? Bambino, Non, par contre, t'as une sortie à la Valéry Giscardiste, hein? Tu Ah ouais, sais? le pro... juste Ouais. un truc. Mikalo, il l'a déjà avoué qu'il regardait pas ta vidéo, il s'en fout, strike. Ah oui, non, Est-ce mais que il t'es... a, moi, il me l'a dit en MP, hein, il fait, je m'en fous si t'as, si t'as dit des choses très gentilles à mon sujet ou que tu m'as défendu, je veux juste pas d'histoire sur ce drama, j'en m'en bats les steaks si ta vidéo elle est bien, je veux pas de vidéo sur ce drama, du coup j'envoie un strike. Ok, d'accord, oh, bon bah ok. Ah, c'est juste un enfant de thérapeuticienne, quoi. Putain, il Ouais, a des c'est couilles tout. remplies d'eau, en fait. En fait, non, il n'y a pas de couilles, tu veux dire. Non, en fait, il a des couilles virtuelles derrière un écran. C'est pour ça que je vais la reposter des milliers de fois la vidéo, quitte à y passer le confinement entier. Oh non, Il y c'est a une pas vieille assez. expression, c'est qu'il a du jus, il a du jus de carotte dans les vitres, mais ça, c'est, on va éviter. Et il aura du mal à faire strike 1000 fois la vidéo, hein. Bon. Après, le souci, c'est que c'est Psyo qui est son image qui est C'est utilisée. ça le truc. C'est ça qui est dangereux avec ce genre de truc. Il faut rester professionnel, au fait. Non, Pas hey, faire des pizza, bêtises. kebab, t'inquiète. Est-ce que tu peux faire apparaître dans le fond plusieurs autres Psyo pour dire, ah ben lui, il a une chaîne, lui aussi Ah, les bâtards. Mais sinon, le swatting, ça existe, il me Oh, semble. Là, vas-y, là, c'est on y a dans la pensé stream, tout à par l'heure, on y a contre. pensé Personne tout de mérite suite. un swatting. Sur... Par contre, Voilà. une Non, note non, sur mais la c'est ça, pizza moi. avec une note sur la pizza, bonjour de psychodélique. Même Nick Backup mérite, personne mérite un swatting. C'est vraiment. Enfin, Non, Nick c'est Backup, compliqué. il mérite la mort, c'est encore Oui, pire. mais toujours de manière. Mais toujours de manière pro et de manière humaine, enfin de manière légale, on va dire. Bon, retenez bien que Psyo, il veut bien la mort de Backup, mais pas un swatting. Oui, voilà, parce que les swatting, Bah, après, ça saute le dans une swatting, sauce. il ramène des chiens ou pas avec eux? Euh, Il y a non, personne, pas Mikado. forcément. Non, mais le swatting Et... va servir par les swats eux-mêmes et c'est eux qui ont pris la décision pour Nick Après, on est Backup. en France, hein, le swatting, vous appelez ça le raid. Hein. Mais c'est fou, C'est du il parle. raid. Il y a un article Wikipédia sur le discours de citation de Au revoir de Valéry Giscard d'Estaing, mais il n'y a pas de lien vers son discours. Au Non, mais... revoir. Au revoir. Au revoir. Non, mais si tu veux, je crois que c'est peut-être sur le site de l'INA où t'as moyen de revoir le discours. Par Napoléon, Ah, il est pas fou. n'interrompez Ah, jamais c'est là que l'ennemi tu dis, qui est en train de mais c'est là que servir tu la dis, j'ai pas de chance, ce mec il habite pas à côté de chez moi, quoi. Qui ça? Bah, genre Mikalo, Mikado? quoi. Il serait juste à côté, mon gars. Non, mais tu t'en fous, tu commandes des pizzas blindées. Je vais Oh, envoyer des t'inquiète. Tu sais où le mec où il habite, il y a des tas de choses très rigolotes à Ah, faire. mais je vais lui envoyer des Aux contacts. anchois, les pizzas. Pisser Non, sur c'est sa pas voiture, par exemple. Il y aura Ou des. alors je lui envoie Madame Sarfati chez lui. D'accord. Ah, il y a des choses à faire. J'ai envoyé le lien. Franchement, Ce tu sais quoi, brochet. tu guides tous les gitans et les tziganes près de son village. Tenez, il y a une Oh, aire de les repos là. cyclistes! Mais ouais, en plus, je connais blindé de forains. J'ai qu'à les envoyer Ouais, chez je lui. vais Les pas forains, tu partir là-dessus. jouais. Je vais pas partir là-dessus. Par contre, j'aimerais bien un autre discours politique d'excuses pour trouver ma Eric rétrogradation. Zemmour. Eric Zemmour. Attends, J'ai d'excuses. jamais Y a tout le monde qui veut du Zemmour expliqué. là. Attends, d'excuses de Bah, Macron, parce que Macron, mine de rien, je sais pas qui écrit ses discours, mais ils sont toujours. C'est la si tu veux guerre. faire plaisir à Macron, n'oublie pas de dire nous sommes en guerre. Nous sommes en Les guerre. discours de Napoléon sont pas mal. C'est un mec qui sort de l'ENA qui fait les discours de Macron. Demande un need backup pour les excuses avec des Et forces. eux, je suis sûr qu'ils préparent une vidéo, mais tellement aux petits oignons en fait, mais tellement, tu sais, réglé à la virgule près de ce qu'ils Mais vont dire. imagine,
Imagine, ils te défendent. Non, non, ils me défendent. Ah, mais c'est possible. Ils seraient pris au strike. Hein. Ils doivent avoir une société, donc on peut savoir où ils habitent. Eux, par contre, j'aurais aucun problème à leur envoyer des billets de pizza. Qu'est-ce que t'as avec les pizzas? Pas que des pizzas dans la vie, il y a kebab. On va lui envoyer de la paella. Attendez, non, mais attendez, vous vous rendez compte qu'ils ont encore 427 euros de dons par mois, 447 euros. Ah ouais, ouais, alors que ça fait plus d'un mois pour le drama. En fait, mais en fait, ça sert juste à payer des petits mangas chauds à con. Ça sert à payer l'abonnement, truc comme Boku no Pico. Les gars, moi j'ai une idée pour Need Backup niveau une parodie en vrai de Lorenzo Baker, ça vous tente ou pas? D'ailleurs, ils ont une pub de Super Connard, il serait peut-être temps de dire à Super Connard de faire un peu quelque chose parce que bon, il est aussi responsable de leur succès. Ouais. Oh, mais Mikalo il tombera dans l'oubli, c'est un random. Non, il pouvait pas savoir, Non, par contre, il est au courant du drama. Donc il peut quand même se dédouaner, c'est quand même pas compliqué. Ouais, par contre, le fait que toi tu il a rien à dire, hein, tu passes derrière, enfin tu passes au-dessus de ça et que machin, ouais là, tu vois. La commune Mikalo, ça laisse pas le chien. Excuse pour la gaffe scandaleuse sur l'hymne albanais. Pas responsable des actes des gens. Ah, c'était pendant un France-Albanie, ils ont dit, ils se sont trompés, ils ont diffusé l'hymne de Andorre en fait. Ah oui. Pareil. Il y a une hymne en Andorre. Ouais, c'est un pays. Non, mais c'est comme il y a une chanson. Là, attendez, comment c'est une enclave en Espagne. La ligne, on en dort. Non, je ramène de l'alcool. Allez, le truc serbe. Kebab ou quoi? Kebab ou je sais plus. Kebab, je sais plus quoi là. Ah oui, je m'en rappelle. Oui. Kebab. Ah, j'ai oublié le nom. Genre, c'est un mec qui joue l'accordéon dans le fond. Le mec, il a tué 15 personnes. Comment c'est déjà? Les trois frères. Mais non, la chanson. Attends, tu vas retrouver le nom. Pas dans les trois frères, c'est un truc qui passe sur YouTube en 2005-2006. Ah. Et une pizza kiwi sauce madère, c'est pas bon? Ah. Non, mais, de toute façon, Alex, si tu leur envoies des pizzas, on rajoute des ananas avec. Ils vont juste mettre. Madère, c'est quoi madère? C'est une image qui est super jolie. Je vais réfléchir. Attendez, je vais trouver la chanson que je veux. Attends, on est pas mal là dans le. Voilà, c'est Karadzic, voilà. Karadzic, c'est une autre chose. Attends, je vais t'envoyer la chanson, tu vas voir de quoi je parle. Alors, une sauce madère, c'est à base de beurre, de farine, de bouillon de veau, de poivre, de vin de madère. Voilà. Karadzic. Oh, avec de la sauce. Karadzic, je sais pas trop. Ce truc-là, Jean-Pierre. Jean-Pierre Coff. Je vais mettre sur le groupe général, vous allez voir de quoi je parle. Karadzic. Oui, Macron parle de la région algéro-française. Ce truc-là, attendez. Tout le monde connaît ce truc-là, quand même. Attends, Fillon a fait des. Voilà, Rigouf Kebab. Rigouf Kebab. J'avais pas qu'ils avaient fait un. C'est vrai, tu connais pas ce truc-là, Pichero? Je savais pas qu'ils avaient fait un mème de ce truc. Non mais attends, parce que je parlais avec un pote ukrainien qui habite en Israël, il m'avait envoyé ça. J'étais mal. Un ukrainien qui vit en Israël. Ouais. Enfin, il est ukrainien et allemand, donc pour ça qu'on se connaît. Mais... Putain, il n'y a rien. Mais c'est ultra connu ce truc-là. Ah, ça au moment de ma petite personne, ça peut être sympa ça. C'est marrant, le premier ministre a présenté des excuses très solennelles à Éric Barrec, ministre des Outre-mer, dans le gouvernement de Bernard Cazeneuve. Oui. Il a commencé son discours en disant « au-delà de ma petite personne ». Ouais, à la limite. Rajouter en haut, c'est « au-delà de ma modeste chaîne ». Bah, tout le monde prend des notes. C'est ça. Ah, c'est beau. Voilà, au bout de tant d'années d'histoire, c'est à moi que revient l'honneur de dire au-delà de ma petite personne, au-delà des fonctions, toutes mes excuses au peuple guyanais. Voilà, vous voulez voir ce que c'est de la répartie? Ça, c'est de la répartie. Oh, un raciste, vous. Raciste, mais. C'est presque au même niveau que Jean-Marie Le Pen qui lâche le pédophile comme Bendit. Mais non, parce que là, le mec le traite de circoncis, il a juste dit votre femme par l'autre. Ouais, mais c'est. Ah, on peut dire je redoute plus ma femme que ta plante.
Mais bon, je suis pas sûr qu'elle arrive à parler la bouche pleine, par contre. Wow. Décidément, votre femme est trop bavarde. Ta gueule, le circoncis. J'ai relâché ça en plus une fois, ça m'a fait rire, quoi. Allez, bâtard. Mais non, en vrai, ce qui serait marrant, c'est de faire, de, pendant un match France-Croatie, de passer Sabia Strong. Demain, ça va sentir l'odeur du drama. Ça. Le paix. Y a rien du tout. Le paix, mon gars. Arrêtez, on adore tous les dramas, voyons. Bien sûr. C'est l'autre qui se réveille, il joue à un jeu vidéo de ton réveil maintenant. Je sais qu'il y a le hashtag, faut balancer le hashtag balance ton facho. Quoi? Quoi? C'est quoi ça? Hashtag balance ton facho. Hein? C'est quoi ce truc-là? Ben, je sais pas, ça peut être. Il y a tout le monde qui rentre dans la catégorie. J'avais fait Michael le facho, mais bon. Balance ton facho. J'ai mis ça, ou alors, au lieu de l'insulter, de lui envoyer des trucs, on l'envoie tous des je t'aime avec des cœurs. Ah non, mais c'est pas l'insulter de le traiter de facho, c'est un fait. Non, parce que les gens, ils ont tendance trop à insulter, genre, tu sais, sur Twitter ou mais c'est pas une insulte, hein, de le traiter de facho. C'est un fait factuel, hein. Non, mais des cœurs, c'est bien aussi, des petits cœurs. Tu sais foutre le seum à quelqu'un sans l'insulter, hein. C'est pas une insulte de traiter quelqu'un de facho, en fait. Malheureusement, c'est un mot péjoratif. Si, c'est politiquement, je crois que même légalement, c'est facho, c'est répréhensible. Non, c'est répréhensible si t'en es pas un, mais puisque t'en es un, il applique des méthodes de facho, donc quelque part, rien t'empêche de le faire. Hein, il serait capable de dire merci, genre, merci de me reconnaître, merci. Il faut acheter un kebab, faut appeler un kebab tomate salade oignon, un kebab tomate salade oignon. Pour... Voilà. Mais je suis sûr qu'il est asperger ou un truc du genre. Lui, non, impossible. Non, je pense surtout qu'il est con. Impossible, non, je pense qu'il est vraiment retardé. Asperger, ça revient pas à la même chose. Bah non, des... Non, non, Asperger, ça dépend quoi. Mais... Non, lui, je pense juste qu'il est juste très con. Ah non, il est retardé comme garçon, lui. Hein. Oh, oui, comme moi. Voilà, comme Rémi, j'ai envie de dire. Oh, les enfoirés. Ouais, enfin, je pense en fait, il a déjà eu le coup. Après moi, ça a été. Il s'est fait taxer de raciste et il s'est dit, oh merde. On va éviter de trop entacher. En plus, il s'est fait. Ouais, t'as qu'à dire il a été raciste envers toi parce que t'es serbe au pire. T'as qu'à faire la victime comme lui. Lui, c'est une victime. Écoute, faut faire la victime comme lui. Hein. Les gens qui ont pas de race comme c'est ça. C'est quoi ce jeep? Oh non. Quand les gens ont pas de race, faut pas avoir de race. Bah techniquement, si tu commences à faire la victime, à sortir que des bails bizarres, ça reproche la balance. Hein. Ouais. Bon, pas trop, faut pas trop en abuser, mais il y a moyen. Hein. On va lui envoyer des JW. Non, en fait, à arrêter comme ça fait une petite vidéo de 2 minutes, 3 minutes, je pense. Ouais, tranquille. Est-ce que tu peux rigoler un bon coup juste après? Ah oui, bah tiens, ça c'est une idée. Partir dans un putain de fou rire. On va pas au sérieux alors, je pense. Hein? Sinon, tu refais comme la dernière fois avec mais, ton frère jumeau. Mais tu crois pas regarder la vidéo. Tu engueules ton frère jumeau. Ouais, c'est non, clair. Mais genre, non, tu rigoles pas tout de suite. Fait. Pauvre monsieur Michelo, puis t'engueules ton frère jumeau. C'est quoi cette histoire de frère jumeau? T'as pas vu? Ah bah. Je m'en souviens pas, mais. Mais si, psycho d'un frère jumeau, du coup. Ouais, il avait un jumeau, c'était digne de Michael Bay. Ouais, genre tu vois, tu fais genre d'être sérieux pendant quelques secondes, tu prends un petit soubresaut, tu sais, genre en souriant, et puis après tu te mets à... genre t'es mort de rire après. Ça, c'est ça peut être sympa. Surround off. Non, surround on. Non, degrés, puis advienne que pourra, on verra. Ça m'intéresse. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est que en fait, il y a plusieurs approches sur cette vidéo, et j'aimerais bien voir. Tu sais, c'est comme quand t'es dans un jeu avec un question avec plein de choix multiples, et t'as envie de voir toutes les versions. Un peu comme dans les roleplays, en fait. C'est ça, mais là tu peux pas, je peux en sortir qu'une seule. C'est sûr qu'à la fin tu peux pas lâcher un gros paix ou un gros roche. Ouais, ça marche. Mais du coup, je genre, sais pas. Genre, tu tiens une feuille et à la fin tu l'arraches. Ouais. Tu la fous la poubelle. Va t'entraîner au violon, on verra après. Au violon? Ah, d'accord. Oui, c'est fait, elle fait du violon. Je viendrai te voir après, je finis une vidéo, mon cœur.
pire, c'est tu fais une feuille, à la fin, tu l'arraches et tu la fous à la poubelle. Soit je la fais en full premier degré, ce qui est vraiment cool. Après, pour l'exercice, c'est top, c'est neutre. Après, il y a plein de gens qui vont pas comprendre, mais ça, on s'en fout. Soit j'éclate de rire à la fin, il y a plein de gens qui vont pas comprendre, mais ça, on s'en fout. En fait, au pire, ce sera un exercice théâtral. C'est ça. Ouais, mais comment rajoute, il va le prendre si tu rigoles à la fin, quoi. Ouais, c'est ça. Ça. Après, ça, c'est pareil, je m'en fous, mais en fait, l'exercice, ça m'intéresse dans tous les cas, ça m'intéresse. Cyril va s'en sortir en politique. Le gars sur Twitter, il me dit surtout, oh là là, mais non, mais fais pas ça, mais non, mais oh là là, mais non. Écoute, tu m'as donné l'idée, moi je tripe trop, maintenant c'est plus. C'est stratégique, rien d'autre. Tu mets une photo de Sardoche avec des bougies autour. Ah le bâtard. Et tu finis par un petit quelle indignité. Ouais, tu lui envoies des chiards chez lui. C'est honteux. Tu commences la vidéo. Mais c'était sûr. Que t'as les vidéos. Mais c'était sûr en fait. Tu gueules. Mais c'était sûr en fait. C'était sûr et tu tapes et tu lances l'intro. Ah, c'est tellement marrant. Ouais, bon, je pense que dans l'optique, faut quand même qu'elle soit un peu sérieuse, pas spécialement non plus full troll. Franchement, au point où on en est, il s'est déjà ridiculisé tout seul, Michael, j'ai envie de te dire. Ouais, il n'y a pas besoin d'aller voir plus. Une fois que Sardoche... Après, quand toi, t'en reviens vraiment dans des coudes, c'est que la plupart des gens qui veulent des coudes avec des mecs comme ça, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils gagneront jamais comme eux, genre les 100 000 dollars. Ouais, faut pas que ça parte dans des débats de jalousie, t'es mal placé, tu vois, c'est pas le but. Au pire, on a qu'à faire un hashtag. Hashtag #JeSuisPasRaciste. Ouais. Non, on fait Michaelob le facho, comme ça c'est bon. Et j'accuse de racisme. De toute façon, il y a rien qui prouve le contraire, comme je l'ai jamais dit sur Discord. Hein. Ou qui me l'ai jamais dit sur Twitch. Hein. Ils vont pas fouiller ces 50 000 heures de Twitch pour. Je pense que quand ils te surveillent, ils doivent quand même vérifier pour un petit peu. Bah, t'as fait beaucoup de Twitch hein, à travers le monde. Hein. Imagine à travers le monde. Hein. C'est quand même triste, Twitch, c'est comme YouTube, c'est une petite équipe. Hein. Oui, mais vu que Psycho s'est déjà fait attaquer par leur manager, à mon avis, il va surveiller un petit peu. Mais non, mais en fait, si, c'est là. Mais il peut surveiller, moi, je sais pas Psycho. Le manager, c'est sa grand-mère, le manager. Ouais. De toute façon, au pire, j'appelle mon ami Jacques Attali et c'est fini. Hein. Jacques Attali. Tu lui dis, fais un petit grand Attali. Fais un petit grand remplacement sur Mikalo, allez hop hop hop. Fais le mail hyper Atali, hop hop hop. Allez hop au travail. Au travail, c'est ça. Voilà, Il doit son succès à Squeezie quand même aussi. Bah ouais. Et les gens comme Squeezie, ça provient que c'est des tas de merde. Non mais. C'est vrai que Squeezie, il a fait connaître beaucoup de gens aujourd'hui. Ils sont cancer. Ils ne parlent plus en fait, tu vois. De toute façon, ils sont cancer. Ouais, c'est un peu petit, on va y faire. De toute façon, dans vidéast game, il n'y a que deux vidéastes, selon moi, qui méritent leur succès. Antoine Daniel et Joueur du Grenier. Le reste, c'est de la merde. Non, Fossoyeur du film. Fossoyeur du film, mon gars. Moi, je regarde juste la tronche en biais, donc... Fossoyeur du film, c'est le seul mec qui s'y connaît en cinéma. On a plein, t'as... Même Link the Sun, il mérite, même si on n'est pas d'accord avec lui. Link the Sun, non. Non, c'est comme si tu disais Michael G. Oh, non. Ouais, voilà. C'est un faquin, c'est comme Michael G, c'est des putains de faquins. C'est les mêmes, Michael G et lui, c'est des pauvres types. C'est des cocus. Ils sont un racisme anti-blanc constant qui se rabaisse devant les autres, c'est des pauvres merdes. C'est comme si tu me disais l'ermite moderne, quoi, bon. Oh, le scatophile. Il faut arrêter que ça soit copié. Non, c'est un scato, lui. Apparemment, c'est un scato. Les gueules de scato. Apparemment, c'est scandale. Les gueules d'ascato. Mais non, mais t'as vu comme il s'habille comme un clodo indien. Non, mais après, c'est son image. C'est style, il s'est créé mais apparemment, oui, ça sera un scato. Mais c'est pas un personnage. Je suis sûr, c'est peut-être beau. C'est peut-être beau. De toute façon, les scato, il y en a partout. Donc bon. De toute façon, tous les mecs qui étaient dans Voxmaker, c'est des pauvres types. De toute façon, c'est des pauvres types. Sauf 1, 2, 3 lunatiques. Moi, celui que j'aime bien, c'est celui que tout le monde déteste. Qui, Thomas Sirix? Thomas Sirix. Ouais. Thomas Sirix. Ben, en soi, c'est le seul qui n'était pas teubé là-dedans. Le reste, c'est tous des débiles. De toute façon, il n'est pas devenu millionnaire grâce à eux. Hein. Il a perdu de l'argent. Hein. Tu m'étonnes. C'est vrai qu'il y en a plein qui méritent leur succès et d'autres. Mais bon, Il n'y a pas de mérite aussi. Voilà quoi. C'est, tu trouves, c'est le... Non, tu mais... trouves le truc et tu le fais, nique sa mère, hein. C'est du business. Hein. Business après, Thomas Sirix,
c'est un peu spécial parce que lui, c'était. En même temps, il faisait ses vidéos et en plus, il faisait tout ce qui est administratif, je crois. Bah, mais il faisait tout, il faisait tout. Les autres, ils faisaient rien, mais qui branlaient quoi? Ils faisaient une bah, vidéo par semaine. C'est comme ouais, Trash. Hein. Ouais, Trash, c'est une débordé. On dit que mec. C'est Néoxyl méchant, alors que le mec, il faisait tout et les autres, ils branlaient rien. Et lui disait, faut peut-être faire des vidéos, les gars, je suis pas le seul à bosser, quoi. Puis les autres. Mais non, mais c'est vraiment ça. Genre, le mec, il branle rien, ils font même pas une vidéo. Iconoclaste, c'était le pire. Ah, je supporte pas, lui. Lui, il est au bureau. Il a ouvert sa Redbox au Japon, je crois, lui, en plus. Non, c'est à Bordeaux. Une sorte de Redbox au Japon. Non, mais non, c'est son objectif, mais il a pas le pognon. Ouais, aussi. Mais c'était ça, son objectif. C'est pour ça qu'il a foutu la merde dans Voxmaker, je suppose. Ça m'étonnerait pas. Non, c'est qu'à un moment, en fait, c'est que les mecs, ils se mettent entre eux pour percer, tu vois. Et à un moment donné, forcément, t'as envie de faire ton propre contenu, quoi. Donc c'est normal. De toute façon, c'est pas fait pour durer, les trucs comme ça, hein, c'est tout. La Redbox, tu vas voir, dans 3-4 ans, il y aura plus de Joyka et Mastu, ça sera trois autres nouveaux, tu vois. C'est parfait, ça me plaît. Écoute, je vais la faire en mode premier degré. De toute façon, la Redbox, ça sert à rien. De toute façon, c'est de la merde, la Redbox. C'est juste des mecs entre... J'habite à côté, et oh. Je vais pas les foutre les feux, je te paye. Non, je suis pas méchant. Après, on met la vidéo sur YouTube. Ils ont rien demandé et ils font de mal à personne à Redbox, c'est pas des casse-couilles. Ah non, je sais, c'est juste pour rigoler. C'est rigolo. Oui, c'est rigolo de foutre le feu. Non. J'ai commencé un nouveau jeu vidéo. Quand j'ai vite compris que le feu ça pouvait brûler, je vais, oh là, on va arrêter de jouer avec. Non, mais bon, le feu ça brûle, l'eau ça mouille. De toute façon, YouTube c'est rempli de cassos random. Hein, point barre. Bah oui. Bah oui. C'est des mecs sur YouTube, ils n'auraient jamais existé quelque part. Non, jamais ils auraient existé s'ils ne seraient pas passés par cette plateforme. Parce que ce sont des gens qui ont réellement aucune personnalité. Ils n'ont rien à apporter en général. Ils sont... Il y en a quand même qui ont réussi à montrer quelque chose qu'ils pouvaient valoir. Après, si, il y en a qui ont la personnalité. Hein. Tu prends le grand JD, Tev. Oui, mais eux, c'est combien ça Le ratio, il est de combien Il y en a 1 sur 1000 qui est intéressant. Bon, après, un sur 1000. Par exemple, un que je trouve inintéressant au possible, c'est Farod. C'est le mec que tout le monde croyait qu'il était gay au début. Alors le seul gay ici présent, c'est Durandal, ok. Durandal, il n'y a que Durandal qui suce des bites. Est-ce qu'il est là, Durandal? Il est pas là. Non, il y a Alexis Fontana aussi. Oui, mais Alexis Fontana est moins connu, c'est pas le même délire. Mais il y avait des backup. Oh, non, eux ils sont pas gays. S'ils sont gays. Non. Comme dirait Nick, il faut des auteurs médiocres pour les gens médiocres. Pourquoi ils sont pas gays? Pourquoi ils sont pas gays? Parce qu'ils aiment les petits garçons, donc ils sont pas gays. Ils sont pédophiles. C'est pas l'homosexualité. Faut pas confondre les choses. C'est pas des homosexuels. Faut pas comparer les homos avec les pédophiles. Ah, rien à voir. Non. Mais dans le sens où ils étaient aussi attirés par les gonzesses. Ah bah ils sont bim, ils ont tendance pédo quoi. Donc... Oui mais c'est des gros enculés à ce niveau. Ah pour moi c'est pas des hommes. Moi je représenterais bien mon collègue homo là, sur 44 ans, c'est un gros buffle, il les défonce mon gars. je les attache sur un lit, je les laisse. je représente tous mes potes homo, mais ils ont tous envie de les tuer. Genre mais déjà, tu connais, il y a une phrase qui dit tu vas mourir enculé là, t'enlèves la virgule. Excellent. Ah oh mon gars, ouais, sans pitié. Mais... Mais franchement, est-ce qu'il y a vraiment de la pitié à avoir pour ces gens-là quelque part? Tu peux pas. Non, dès que ça touche les enfants. On est plus de 7 milliards, hein, la pitié. Non, mais pitié, ça passe à côté, quoi. La pitié, ça passe choix à côté. Par-ci par-là, ça ferait pas de mal. Moi, la pitié, c'est pour ceux qui font des efforts. Pitié en ce moment. Ouais. La pitié, c'est pour ceux qui essaient de se racheter. Ils essaient pas de se racheter, ils essaient juste de se sauver le cul. Oh. Ouais. Enfin, des fois, de se sauver le cul quand j'aurais trouvé la réponse. Mais maintenant, dites-vous, Needbackup, c'est sorti, ça. Maintenant, imaginons les autres youtubeurs, tous les secrets qu'ils ont enterrés. Et moi, je milite pour un balance de youtubeur 2, mais tout le monde s'en branle. Je te dis que Needbackup, ils vont passer à la trappe parce que je pense que Needbackup, c'est les moins malsains de tous. Il y a des grosses chances que ce soit les moins malsains de tous. Ah, c'est sûr. Je suis sûr et certain, je mets mes deux bras à côté. Je peux déjà dire qu'il y a des liens sur certaines communautés de jeux, tels que Garry's Mod, Minecraft.
C'est ça. Mais dans l'eau, il doit y avoir des putains de violeurs, des putains de mecs bizarres et tout. Non, mais c'est clair. Et des têtes connues, hein. Des têtes connues. Non, mais après, Mads, c'est Alpha Cast. Alors là, il dit, non, t'as complètement tort. Alpha Cast, c'est genre non connu. Non, non, j'ai dit, ça me ferait mal si un jour j'apprends une grosse connerie à la backup sur Alpha Cast. Alpha Cast, c'est un pédophile. Parce que, non, non, parce qu'Alpha Cast, pour moi, c'est un des meilleurs, c'est le mec le plus clean possible, quoi. C'est souvent quand tu crois à Daron. Ouais. Il ressemble beaucoup à Daron, Alpha Cast. Ce que je vais faire, mais la semaine prochaine, parce que j'ai juste la flemme de faire du montage, c'est de re-uploader les deux vidéos, mais en anonymisant absolument tout, à base de bip, de flou et de... Ah, de bip. Bip. Non, tu remplaces Mikalo par la Chine. Chaque fois que tu dis Mikalo, tu remplaces ça par le poste. Tu mets Kim Jong-un en image. Tu repostes exactement la même vidéo en public, mais tu changes de miniature et de titre. Comme ça, quand les gens cliquent sur la vidéo, non, mais il y a l'audio. Mikalo va pas cliquer sur. Oui, Mikalo, non, mais il suffit qu'il passe dessus et il flag parce que voilà, à 3,50, je dis son pseudo. Ou tu refais la vidéo en mettant des bips et en floutant sa tronche. Bah c'est ça, c'est ce que je vais faire. Mais du coup, mais c'est du montage chiant, quoi. Mets tête d'officier SS à la place. Tu remplaces. Oh le bâtard. Là, il joue à Mika. Enlève le bip et tu rajoutes le mot connard derrière. Non, tu non, un truc, non, un truc vicieux. Faut pas que ça soit directement insultant, faut que ça soit plus vicieux. Non, tu mets la tête d'officier. La bouteille, genre, j'avais pensé à la voix robotique de Google qui dit insérer le nom d'un youtubeur ici. Un truc comme ça, tu vois, un truc plus simple. Insérer une bouteille d'eau. Insérer une bouteille d'eau ici. Et tu fais comme ça, tu caches des petites images subliminales pendant le truc. Comme qui? C'est bien rigolo. Qui fait ça? Qui fait ça, les images subliminales? Le truc, maintenant, il y a deux choses. Je fais la vidéo maintenant, je l'upload maintenant. Ou j'attends, je la programme et elle sort demain. Où je bats le fer, comment dans les choses. Après, t'as pas plutôt l'impression que tu fais quand même ça un peu à chaud. Alors, tout le monde me dit, écoute, t'es un peu lourd, écoute, tu fais 115 chaud, kilos, moi, je sais que fonctionner à chaud, si t'as remarqué. D'accord, ok. Bon, bah, si tu fais les choses à chaud, fais à chaud. Mais c'est rare que c'est lourd. Il y en a qui disent c'est bon le dramaturge, c'est bon on a compris là, tu deviens lourd là. Le dramaturge. Tu deviens lourd là. J'en ai plein qui me disent c'est bon tu deviens lourd. Je fais une blague sur Need Bagger. C'est bon tu deviens lourd là. Bah attends, la blague elle aurait été hyper fun s'il y avait pas de drama, mais là on peut plus faire de blagues maintenant. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il apprécie pas parce que souvent c'est parce qu'ils défendent Need Bagger. C'est parce que ça les atteint dans leur petite opinion à eux, c'est pour ça que ça les fait chier. Oh, Nidbackup, on peut les sauver, Dieu peut les sauver. Oui, d'accord. Oui. Je pense qu'un mec, s'il a un gros drama niveau... Moi, je vais les sauver en leur foutant une balle dans le cul. Et je pense qu'un gros pervers, c'est le Kirby 54. Une balle de baseball. Ah ouais, il est bien barré, lui. Lui, je pense qu'il a quelque chose dans la tête bizarre. Le plus touche. Ça surpasse le Fury. Quoi. Peut-être qu'avec Kermit moderne, ils jouent avec leur caca dans leur peau. Hein, c'est pas vrai. En plus, il y a pas de psycho, tu peux te renommer en dramator du coup. Dramator. Après dessinateur, dramator. Dramator. Tu te renommes le Molière qui est pas très bien français au pire. Pas dramator, Dramazord, mon gars, comme dans Power Rangers. Dramazord. Dramazord, elle est pas mal celle-là. On va trouver. Je te jure. C'est là en tout cas, je la garde. Ok. Est-ce que je fais la vidéo maintenant et je la diffuse maintenant ou je l'envoie demain? Fais-le comme tu le sens, hein. Ouais, peut-être un lundi, tu sais, un lundi pour commencer la semaine en. Bah, demain, c'est férié. Ah oui. Bah, je serai toi, je la ferai soit aujourd'hui ou demain. On le sent pas vraiment. Hein. Parce que demain, c'est férié. Demain, c'est l'allocution de Manu. Oh, bonjour. Bonjour. Nous allons être confinés jusqu'à fin juin. Bah. Pas jusqu'à fin juin, parce que j'ai mes vacances qui sont là-dessus. Oh, je me casse sur Mars, moi, j'en ai rien à foutre. Oh, Kirby 54. Ah oui, mais attends, il faut que je le mette, ça. Alors, blablabla, j'ai tout une short. Toutefois, j'ai oublié cette règle implicite. Une règle. Kirby 54. C'est marrant, mais c'est quoi, ça Tu fais une vidéo où tu parles de Mikalo, strike. Par contre, Julien Chies, t'en as fait 30 000 en disant pas que des choses bien, il s'en bat la race. Ça se trouve, il en a vu de toi, il s'en fout, le mec. C'est ça. Je pense que Julien Chies est peut-être plus correct. Sardoche. Bah, il est plus professionnel, tout simplement. Il s'en bosse dedans, quoi, tout simplement. Il sait très bien que plus tu donnes de l'importance, plus tu fais grossir le sujet. Donc, faut pas en donner de l'importance. Je préfère ça, perso. Alors que Mickey, il a pas compris. J'ai oublié une règle implicite qui est pourtant une règle principale, primordiale. De toute façon, Mickey, c'était qui avant Apex the Gen, mais que personne. Non, je veux dire, et le manquement à cette règle m'a valu un strike de la part de Mikalo, une mise en garde. J'étais mis au coin. une,
m'a valu une. J'ai été remis en question face à un raciste. Oh, ouais, t'as qu'à dire ça. T'as qu'à tout être raciste. Non, non. Et le morceau Cédric m'a valu une punition sous forme de strike prononcée par Mikalo lors de son live. Je pense que le mieux, c'est quand même de l'accuser de racisme. Non, non, c'est trop. Mais si tu peux lire, ça marche bien. Pourquoi t'as ça marche ah, l'excuse, bien. L'excuse du racisme, c'est trop. Non, mais... on a qu'à faire un mouvement hashtag Loamika. Au moins, ça marche. Retrouvez Loamika. Attends, quoi? Ah, ce qu'il y a? J'ai l'impression que dans le Twitter de Mikalo, il a supprimé tous ceux qui avaient un rapport avec toi. Ah ouais? Il a ah non, c'est rien. Ouais, les gens commencent à te détester, Fio, c'est chaud. Non, non, c'est mon PC qui a bugué, j'ai rien dit. Détester, ah, ça permet d'avoir... Non, mais après, c'est vrai que Sir Gibbsy a commencé à m'insulter, absolument pareil. Insulter qui? Bah, Absol, il y avait à moitié insulté Psycho, quand même. Mais c'est marrant, parce que si tu regardes bien, tous ces mecs-là se ressemblent tous. Ouais, c'est tous des parents. Ah, mais c'est des ordres. On est d'accord que tu regardes tout. Seul, moi, je sais pas ce qu'il fait avec son chien, mais il est déjà bizarre, lui aussi. il fait comme à la Sora, là, on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Ah. Non, mais c'est mes classes, ce qui me fait rire, c'est qu'ils insultent, mais en vrai, c'est des ordures totales. Ah, c'est des ordures. On fait de la critique YouTube. Ouais, trop fort, t'as vu, on a arrêté. Il est critique, triquite. Voilà. On fait de la critique YouTube, et c'était lol. Sans prendre un Neo-S1 pendant 10 vidéos, qu'est-ce que c'est fort, sans prendre un Neo. Non, mais, j'avais pas Neo-S1, tu vois, mais c'est ça leur niveau d'analyse. Elle a 10 ans, la vidéo. Quoi. Elle a 10 ans. Laquelle? Ah, t'as vidéos. Oui. Mais lui, il est mort, en plus, je crois. Non, arrête tes conneries. Si, je crois qu'il est mort. Il est mort, là? Je crois. Non, il est pas mort, il est pas mort. Sûr. Non, oui, il y a eu des rumeurs, il est pas mort. Regarde sa chaîne YouTube, gros, il est encore mort. C'était il y a 7 ans. Ah non, c'était il y a 7 ans, ces vidéos. Attends, oui, mais il est comme dire que Joarno, il est mort. Non, Joarno, il est pas mort. Joarno, il vit à côté de chez moi. Oh, il a grossi, Joarno. Ah oui. Ah là, Jean-Pierre Irland 2.0, il a fait une vidéo il y a 8 mois. Il est pas mort. Joarno, putain. Mais non, Joarno, c'est un teubé, il habite près de chez moi. C'est un vrai taré. C'est un belge, lui, de toute façon. Ouais, mais c'est ça. Ça se voit, ça s'entend. Capote. Vous voyez le nouveau truc sur Twitter? Comment t'as en direct, Joarno, il est en direct. 4 photos. Mais non, fais tous un raid, vive Psycho sur Twitter. Tenez, il est en direct, Joarno, il est en direct. On demande à Joarno de faire une seule vidéo sur Twitter. Regarde, les histoires paranormales. Paranormales, pas normal. Pourquoi pas Psycho président aussi, non plus. Pourquoi pas? Non, mais vous voyez le nouveau meme sur Twitter où t'écris comment t'as su que j'étais 1-1-1 et puis les gens ils mettent 4 photos et tu mets comment t'as su que je n'avais pas de couilles et tu mets une photo d'un Stitch, un streamer, Mikalo, tout ça quoi. Hey, Joarno, c'est un délire. Ah, mais il est fou. Mais tu sais qu'il a un procès au cul lui aussi. Bon, arrêtez, connerie. Si, il a acheté des blagues nazies dans Liège. Hein? Des quoi? Il a acheté des blagues nazies dans Liège. Ah, d'accord. Ah, des blagues... D'accord. Bah, des blagues nazis, ça n'existe pas. J'ai compris, il achetait des blagues. Il achetait des blagues nazis. Non, il achetait surtout des bières, lui. Il achète que des... Lui, tu sens qu'il sort les navigateurs, hein. Putain. Lui, il sort de loin. Bon, les gens, je vous retrouve pas, là, sur Joarno. Moi, j'ai déjà commencé. Hein. Mais... C'est un T'es vraiment sur le truc des Joarno? Tu te bugs de moi. T'es sur le truc des Joarno? Ouais, j'ai mis le direct, là. Mais je vais aller voir ça, venez, on va tous raid. Moi qui fasse une vidéo de soutien, Psyo. Eh ben non, mais gloire à Psyo. De quoi? C'est un avatar psyodélique, président, les bâtards. Vous êtes des enculés. Qu'est-ce qui se passe? En gros, ils sont en train de t'afficher dans le live de Joarno, là, que j'ai partagé. Ah, les bâtards. Mais oui. Mais tu sais, Psyro, il habite à côté de chez moi, mais ce mec-là, c'est un malade, hein. C'est un vrai malade.